19 août 2021, Courtney Love a décidé de fêter les 29 ans de sa fille, Frances Bean Corbin, en se faisant tatouer en son honneur. La rockeuse a dévoilé sur Instagram son nouvel ancrage, un chien volant à travers la carte de tarot du mat, ajoutant que le temps où elle se faisait tatouer uniquement ivre était révolu. J'y ai vu ses nouvelles encres chez un tatoueur traditionnel Corinne, j'y ai été inspirée. Et je me suis dit que ma philosophie, qui était de ne me faire tatouer que dans les quartiers de prostituées portuaires quand j'y étais ivre, était un peu datée, et je voulais rendre hommage à ma fille Frances, dont c'est elle anniversaire aujourd'hui, a-t-elle en effet écrit. Le tatouage à être réalisé chez Parliament Tattoo, à Londres, où vit dorénavant la chanteuse de rock Laurence Boccolini, qui vient de succéder à Nagui dans Tout le monde veut prendre sa place, elle assume, et elle le prouve. Elle a ainsi posté sur Instagram une photo naturelle pour montrer à quel point je suis fière de mes rides, de mes taches, de mes creux, de mes cheveux trop fins, de mes épaules trop larges, de mes fesses qui tombent et de mes cernes qui creusent, écrit-elle, ajoutant qu'il fait beau, il fait bon, et de préciser je ne suis pas topless. Vive les mecs, une jolie photo de vacances qui annonce tout de même la rentrée, puisqu'elle animatrice précise que c'est son dernier jour de vie.